Bienvenue au domaine Daniel Maté à Valamontsu, au cœur du Vieux Vaudois. Doris et moi, nous nous faisons un plaisir de vous le présenter. Fondée en 1880 par Henri Maté, fils de Henri Daniel, la Maison Maté fête cette année son 131e anniversaire. Le souci de conserver le caractère familial et traditionnel de l'entreprise a toujours été respecté. De père en fils, depuis 4 générations, toute notre activité n'a eu qu'un seul but, la satisfaction du client. Sous l'impulsion de Louis Maté, elle se concentre à partir de 1920 sur la tonnellerie d'une part et sur la viticulture et le commerce de vin d'autre part. En 1953, laissant la tonnellerie à son frère Henri, mon père, Maurice Maté reprend le secteur viticole et se concentre sur l'encavage de vin du Vuilly. Petit à petit, il développe également le négoce d'autres vins, vaudois, valaisans et étrangers. Depuis 1985, année où j'ai repris seul le flambeau sans pour autant renier le travail de mes aînés, je me suis lancé dans des assemblages inédits et en utilisant à bon escient la barrique. J'ai également toujours recherché à amener davantage de fraîcheur, de fruits et de minéralité à nos vins. Nous avons à notre disposition des outils performants, tant à la cave qu'à la vigne, pour bien travailler. Notre principal défi reste le marketing. Dans un marché indigène saturé, il n'est pas facile de se démarquer.